Bonsoir, et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming, pour un nouvel épisode de Prison Architect. Ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvé autour d'un épisode de Prison Architect, hein, les fameux épisodes absolument excellents, le cœur de cette chaîne, je pense. Déjà on va commencer par dire que Moonlighter n'est pas mort, hein. Moonlighter, la sauvegarde a été restaurée. Moonlighter, il faut juste que je demande à un adolescent de venir jouer à ma place parce que moi je peux pas m'empêcher de looter, c'est une catastrophe. Mais Moonlighter, ça redémarrera, il n'y a pas de souci. S'il y a des jeux comme ça que vous voyez sur la chaîne, parce que j'en ai fait tellement qu'il y en a, j'ai oublié que j'avais des let's play dessus. Parce que le temps est passé, parce que le boulot, parce que ces choses-là, hein, enfin la vie quoi. Hein. N'hésitez pas à m'en faire part, ça me fera plaisir de vous faire perdre encore du temps et du temps de vidéo. C'est absolument un grand plaisir que je partage. Pour ce qui concerne Prison Architect, donc Goulag Ball, hein, c'est parti, hein, bon, on avait quasiment bouclé l'entretien de la prison, ça m'étonne qu'on ait commencé un truc qu'on n'avait pas fini. Ça m'étonne ça. La recherche quand j'ai lancé la sauvegarde tournait, je sais pas si c'était normal. J'ai viré quelques gardiens, j'ai embauché un gars de l'entretien. J'ai fait quoi dessus? J'ai fini d'aménager la salle du personnel, vite fait, hein, gentiment, voilà, hein, vous voyez, tout est sale, tout est parfait, tout est de base. Y a rien à ajouter, c'est beau, c'est grand, c'est magnifique. Bon, j'avoue, j'ai pas eu le temps de mettre le baby-foot. Et là, quand j'ai voulu le rajouter, j'ai fait non, dommage, le baby-foot est vraiment trop gros. Ah, ça m'aurait obligé à le mettre au milieu de la pièce. Ça se serait vu qu'on paye les gardiens à rien faire. Bon. Donc voilà, on est parti sur cette mignonnette petite salle. J'ai doublé la taille de la foresterie. J'ai une zone de livraison d'ailleurs qui va sauter en soi. Qui est donc celle-ci. Elle va disparaître. Disparu. Voilà, elle a disparu. On va garder que celle-ci pour l'instant. Ça fera l'affaire. Donc voilà, j'ai un petit carré de jardin là où je fais pousser des arbres. Et en vrai, avec deux ouvriers et un jardinier, ça tourne très très bien. Regardez les bénéfices là-haut. On est très très bien, je veux dire, si on peut voir l'export, on exporte pour 6500 balles. On peut dire qu'on vit dessus, très exactement, comme d'habitude. Et on paye les impôts max pour l'instant, je crois. Hein. Je crois que c'est 15% hein, les impôts max, donc normalement on est dessus. Donc on est très très bien. On est très très bien, et je propose de commencer par tout de suite boucler cette quête en embauchant deux concierges. Hein. Donc là, on va retirer de la crasse, c'est scandaleux. Mission terminée, j'ai envie de dire mission suivante. Subvention. Alors, on peut rentrer dans le lourd tout de suite avec les blocs de cellules. Moi, je pense que la santé et bien des détenus, c'est cool. Ouais, l'affectation, ça fera les mecs. L'éducation, pour enchaîner là-dessus aussi. L'aile des aliénés. Pas mal aussi. En vrai, pas mal. Engager un chef de la sécurité, 10 gardiens, déverrouiller patrouille dans l'administration. Faites 3 gardiens à des patrouilles. En pareil, on va peut-être attendre d'avoir construit le bloc de cellule A. Le droit de visite, ça peut être intéressant. Mais pareil, pour moi, c'est des trucs que tu construis une fois que tu commences à vouloir décider ton bloc de cellule A. Alors que ça... Ça, on peut se le lancer sans bloc de cellules. Ça, c'est vraiment... On décide que... Voilà, on va le placer genre dans un coin par ici ou par là. J'en sais rien. J'en sais trop rien, j'avoue. Mais ouais, vu qu'on a pas mal de place en haut, je pense que construire un infirmier, hein, engager des médecins, engager un psychologue. On nécessite un bureau. Mais on a déjà un psy, non? Ah, on a le bureau du psy, mais on n'a pas le psy. Intéressant. J'espère que vous avez noté. Donc, on va se construire un bloc d'infirmerie, un gros truc, voilà. Un gros truc blanc, hein, fondation, s'il vous plaît. Plus, on va se construire un gros truc blanc. Mur blanc, voilà. Un bon gros mur blanc. Qui va prendre toute la place. Un joli bloc. Et il y a une raison à cela. On va partir sur un 24, vraiment. Voilà. On va lui définir une entrée. Alors oui, alors les portes, c'est par là.
ça m'attriste que ce soit dans un nouvel onglet, hein, à chaque fois. On est sur du 15, donc normalement le mid c'est là. On va donc se mettre la porte ici. Ah, on peut pas les avoir face-face, c'est vrai. Ah, c'est problématique pour double porte. Ah oui, mais si j'annule, ça va annuler tout. Même la porte. Ah, ça c'est embêtant. Et donc le problème c'est que je n'ai plus que deux ouvriers. Donc ça commence à devenir difficile. Donc on va leur demander gentiment de venir faire tout ça en priorité. Voilà. On va laisser pousser quelques arbres. On économise hein, bien entendu hein, sur la main d'œuvre. C'est très important. Ce bâtiment est peut-être trop gros en fait. Je suis en train de me dire j'aurais peut-être dû laisser un couloir pour les visites, pour mettre les visites genre plus par là. Annule tout. Tout est annulé. Retournez faire ce que vous faisiez. Ce bloc est trop haut. On va le redéfinir. Hop. On va le refaire en blanc. On va bel et bien le coller jusqu'en bas. Par contre, je voudrais garder un chemin derrière. Donc là, sous la lampe. Là, on a notre chemin. Là, on a la lampe. Ok. Du coup, on est plus sur un truc comme ça. Par contre, tu peux être large. Hein. C'est pas très problématique. Voilà. Tu peux être genre comme ça. Et du coup, on peut placer la porte. Alors, je sais qu'il faut que je parle bien devant mon micro. Sinon, vous m'entendez en décalé. Petite porte ici. Voilà. Je peux virer ma dalle. Ah non, il faut que je remette une neige, je crois, par-dessus. C'est ça le truc. Il faut que je remette, faut que je refasse ça obligatoirement. Voilà. Voilà. Ah oui, mais il y a encore une bavure là, sur ce que je viens de faire. Parce que je veux laisser un... Mais... Vraiment, je fais n'importe quoi, c'est une catastrophe. On dirait un débutant, hein, c'est terrible. Hein. Donc on a conclu que c'était ici, sauf qu'il faut que je laisse aussi le chemin. Eh, vous savez quoi? Quand on est débile. Hein. Quand on est débile. Hein. On fait d'abord notre petit chemin, qui sent bon la noisette. Qui nous rappelle soudain ce grand jour de fête. Ou quelques bourrins. Je sais plus quoi. Me prenez la tête, je crois. Si je dis pas de bêtises. C'est... Je sais plus ça. Je sais plus, mais c'est un truc dans ce goût-là. Voilà. Hop. Je vais même le décaler encore un petit peu. Perdre de l'argent avec mes conneries, hein. Okay, vu qu'à chaque fois que c'est pas construit, je sais pas si on perd vraiment de l'argent. Voilà, là c'est fait, il n'y a plus de problème. On peut aller jusque là, ça comme ça, ça bouge pas, ça c'est de la neige. Voilà, ça c'est de la neige. Voli volou. Ouais, mais ça fait un gros décalé. Ça fait bizarre parce que ça fait un gros décalé. Ça fait étrange. Les portes. Porte, porte, porte. Porte. Voilà. On est bon. On est bon. Venez donc me construire ça. Ah, pour lui, il y a... Ok. Il n'y a pas de mur ici, c'est démoli. Bon, ça me coûtait de l'argent encore cette erreur, mais bon. Allons-y. On peut se permettre quelques petites erreurs. On a un peu d'argent. Nous avons produit ce qu'il faut. Alors bientôt le retour de Raft aussi, hein. J'ai vu qu'il y avait une mise à jour sur Raft, ça va revenir. Satisfactory, je sais qu'il n'y a personne qui regarde, donc avec grand plaisir je vais en retourner à nouveau. Très important.
Ah, ça avance vraiment pas, hein, avec deux gars. Wouh! Ah, c'est vrai qu'on est sur un mode avec des fat gardiens. Ils m'ont l'air encore énorme. Chaque fois, je me fais avoir, hein, je me fais surprendre. Ah, ils vont juste chercher. Peut-être se payer un ouvrier ou deux, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Ouais, on fera une extension de mur avec une porte ici, quelque part. Parce que je veux pouvoir coller la morgue dedans et un nouveau bureau de psy dedans. Et il manque une pile ici. Ah oui, c'est vrai que lui, il a déjà une bonne charge. D'ailleurs, tant qu'on y était, on pouvait peut-être tirer un peu de câble. D'ailleurs, on va tirer celui-là. Et on peut aussi... tirer du mur d'enceinte. Ah, le mur d'enceinte. Ah ouais, je fais jamais gaffe que mur d'enceinte, on peut en faire des carrés. Oh, ça coûte tellement cher les murs d'enceinte. Tellement. Ah, c'est marrant vu que c'est sur des fondations. Ah non, je veux dire, ça fait pas la même texture. Ok. Oh. C'est beau. Donc à l'intérieur, on veut du mur blanc. On veut... Ah ouais, alors ça va me faire démonter toutes les loupiottes, ça. Ça, c'est super, ça. Je veux une morgue. Je veux une morgue relativement assez grande. Je veux un bureau de psy... comme celui-là. Et peut-être un deuxième, on verra. Pour l'instant, je sais pas trop. Je ne sais pas trop, j'ai pas trop regardé dans les détails. Il me faut de simples portes. Une simple porte ici. Et une simple porte là. Voilà. Voilà, voilà. Alors, je pense que c'est reparti tomber des arbres derrière. J'attends de voir si ça va se recouvrir de neige tout seul. Normalement, oui. Oh, il y a du boulot. Il y a du bois à tomber, les gars. Il y a de l'argent à se faire. Oh, c'est beau. C'est beau. Donc ça, on peut déjà dire que c'est un bureau, hein. En pièce après définir, c'est la pièce qu'on a le plus, voilà, c'est un bureau. Normalement la taille est valide. Voilà, bureau, chaise, tabouret. À moins qu'il y ait un bureau de psy en particulier. Bureau du psychiatre. Mais le psychiatre, c'est vraiment pour les aliénés. Là, je veux pas forcément un truc pour les aliénés, je veux juste celui de base auquel on a accès. Hop, est-ce que je peux avoir des paillassons, s'il vous plaît? Le paillasson? Pas alors. Pas copier cet objet. Ah, ça, c'est bien dommage. Cherche-moi le paillasson. Voilà.
très important, le paillasson. Je vous évite de salir les lieux, c'est très important. Bah ça va être déplacé ça, non? Bon. C'est juste qu'il a pas de courant ou... Oui bien sûr, la lumière. Hein. Démonte la loupiote là. Voilà, merci. Fort aimable. Fort aimable à vous. Et donc... dans nos deux différentes pièces, on veut et une morgue, ici, et une infirmerie. Pour l'instant, l'infirmerie, elle fera tout ça. Et il me faut juste des lits médicalisés pour ça. Donc ça, ça c'est le plaisir. Est-ce qu'on génère un peu d'espace? Je sais pas, faudrait que je compte. Ouais, on peut. On peut prendre un peu de place. Regardez-moi cette infirmerie de qualité quand même. Hein. Je veux dire, si on était dans un vrai goulag, on gagne des places quoi. Évidemment. On gagne de la place. On va même la gagner comme ça la place. On verra si on en ajoute d'autres. Je sais pas. Je sais pas. Pour l'instant, il n'y a pas besoin. Et puis, vu qu'on risque de remettre un bureau ici, on va pas forcément aller plus loin dans le délire. On allait dire médicaliser. La morgue, on pourrait l'aménager. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. On va pas le faire. Ce que j'aimerais, c'est. C'est une porte. Voilà, une porte du personnel. Ici. Voilà. Suivi du pavage qui se rapporte au plumage. Là. Et il me faut évidemment du mur d'enceinte qui est là. Et on est bien. Et on va se contenter de mettre une simple porte de personnel, hein. Une petite grille de jardin personnel, quoi. Voilà. Ça nous laissera la place ici pour mettre de la sécurité, des chiens ou un truc. Un truc sympa dans tous les cas. Ça, c'est assuré. La petite porte en loose ici, elle va peut-être même pouvoir disparaître, du coup. On verra. En ce temps, je la laisse, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de prisonniers dans les murs, donc on n'a pas de soucis. Ici, là, ça n'a pas l'air de vouloir se recouvrir de neige, hein, donc on va se remettre... On va ramener le canon à neige, hein. Voilà. On va ramener le canon à neige, les gars. Faites-vous plaisir. Ah, c'est une prison propre, c'est intéressant, ça, comme concept. C'est un peu étrange, mais c'est intéressant. Il me faut au moins deux médecins. Voilà. Et il me faut au moins un psy. Et ben voilà. Mission terminée. On a bouclé deux missions en un épisode. C'est un scandale. L'épisode est déjà terminé. Mais c'est un scandale. Mince. Bon bah... C'était Gnafranc sur Code d'habitude Gaming pour Prison Architect. Je vous dis à la prochaine, ciao.